Alors, qu'est-ce que c'est qu'être porteur? Illégal. Illégal. Délit. Prison. Prison. Vous n'avez aucun droit. Et je crois qu'il faut bien comprendre que si tout était téléchargé gratuitement aujourd'hui, on aura simplement tué la poule aux œufs d'or. L'économie numérique, c'est tout à fait passionnant. D'où vient cette idée que j'ai le droit de piquer ce qui appartient à autrui? Mais d'où vient cette idée folle? L'économie numérique, c'est tout à fait passionnant. Le gratuit, ça consiste à prendre ce qui existe. Ça ne permet pas de créer. Tout le monde peut rêver de culture gratuite. Vous n'avez aucun droit sur le site. Et nous sommes mondialement dans une économie de marché. Le bien culturel appartient à cette économie. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde trouve que, en général, les coupures publicitaires donnent une respiration au film. On est en train de raconter n'importe quoi. Et je crois qu'il faut bien comprendre que si tout est téléchargé gratuitement aujourd'hui, on aura simplement tué la poule aux œufs d'or. L'économie numérique, c'est tout à fait passionnant. Attendez, quelle est la différence entre un écran d'ordinateur et un téléviseur? C'est un support privé à domicile. Et celles et ceux qui nous écoutent, qui sont abonnés au haut débit, savent que les ordinateurs tournent la nuit pour enregistrer des airs de musique et des films. Il y a l'élément de télécharger, c'est-à-dire, entre guillemets, on se dit « je me fais une petite copie pour mon usage personnel ». Mais le net, ce n'est pas ça. C'est que lorsque votre ordinateur fonctionne, il met à la disposition des autres internautes l'ensemble de votre bibliothèque. Je ne rentre pas dans les détails pour expliquer comment mieux pirater. Et je crois qu'il faut bien comprendre que si tout est téléchargé gratuitement aujourd'hui, on aura simplement tué la poule aux œufs d'or. L'économie numérique, c'est tout à fait passionnant. D'où vient cette idée que j'ai le droit de piquer ce qui appartient à autrui? Mais d'où vient cette idée folle? L'économie numérique, c'est tout à fait passionnant. Le gratuit, ça consiste à prendre ce qui existe. Ça ne permet pas de créer. Tout le monde peut rêver de culture gratuite. Alors, qu'est-ce que c'est qu'être porteur?